Salut à tous, c'est Rayek et c'est parti pour la suite de Dragon Quest Builder 2. La dernière fois, on avait fait quelques petites constructions. Oh, merci pour la gratitude, même si j'en ai plus besoin maintenant, parce qu'on est à fond. Qu'est-ce que tu veux, Athéna? Ils font la queue. J'adore. Allez, l'unité des violents sera bientôt là, Eldrin, et leurs éclaireurs ont à peine bronché en voyant nos défenses actuelles. Si nous comptons les vaincre, nous devons renforcer nos défenses et concevoir une autre arme magique pour contrecarrer leur assaut. Pour cela, nous devons à nouveau tenter de découvrir quelle est leur faiblesse. En effet, mais avant cela, commençons par concevoir un autre plan pour nos futures fortifications. Mais il va falloir que je farme encore. N'oubliez pas de laisser des emplacements sur votre plan pour une nouvelle arme magique capable de ralentir les unités des violents. Allez. C'est parti, petit saut. Tum, 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 tum. Ah, on met par-dessus l'existant. Alors, fortification anti-violent. Qu'est-ce que ça nous a rajouté? Bon, 700 murs d'enceinte en plus. Magnifique. Ça veut dire qu'il y avait des trous avant, à cet endroit-là? D'accord. Contrefort. Rempart. Ouais, bon. Ils amènent. Les herse. Ah, d'accord, ils remettent ce qui a été cassé. Ça, c'est bien. Merci. Parce que... enfin, j'espère qu'ils vont les remettre, on verra bien. Fortification de bois. Mur d'enceinte. Alors ça, c'était les anciens trucs. Escalier de pierre. Échelle. Les balises sont tout. Des pièges foudres encore en plus. Oh, ils ont dû être cassés, c'est pas possible. Chose trap. Barricade. Donc il me faut... D'accord. Des barricades. Des pièges crames en plus. Ouais. Des plaques... Alors les pièges tornades non. Des plaques d'activation en plus. Ça, c'est normal. Ok. Quel bonheur! Encore un triomphe, Eldrin. Même les soldats imbattables de l'unité des violents devraient avoir du mal à franchir cette section. Mais une fois que vous aurez placé les armes magiques sur les points d'interrogation, espérons que cela les empêchera de progresser. J'ai des informations qui pourraient servir contre l'unité des violents, si vous êtes disposé à m'écouter. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous remplissiez un coffre collectif avec les matériaux nécessaires pour réaliser votre vision. Ainsi, nous pourrons commencer sans vous. D'accord. Pendant ce temps, nous devrons déterminer la faiblesse de l'ennemi et inventer une arme magique pour en tirer parti. Allez, Drin, ne perdons pas un instant. Alors, je vais parler après au gars. Je vais déjà préparer tout le matos qu'on a besoin. Voilà. Allez, youp. Alors, qu'est-ce que... Quoi de nouveau? Établi de pierre. Mais non, c'est pas nouveau. What? Tata. Est-ce que je vais être obligé d'aller farmer encore? Ouais, en fait, je suis obligé de faire 60, d'accord. Ok, ça va. Il en reste. Voilà. Après, il faut 62, ça soit 52. Voilà. C'est bon. Bon, c'est bon, je pense que j'ai pas besoin d'aller refarmer. Je suis allé chercher le nécessaire. Quoique, 233. Mmh. Ouais, si, c'est bon. Ouf. En espérant qu'il répare ce qui est déjà en place, ce serait cool. 71. 7, 8. Ah non, ça les donne que par 5. Hop, 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 hop. Voilà. J'espère que c'est la dernière fois. Sinon, on n'est pas rendu. Ok. C'est en train de descendre fortement, hein, ce qu'on avait besoin. Je crois que ici, c'est tout. Ça, oh. Ah si, il y a ça, mais j'ai plus de place, je crois, dans mon inventaire. Je vais aller poser tout ça dans le coffre. De toute façon, ça, ils ont remis l'air, c'est tout, cool. Non, mais je m'en fous, Malroth. J'adore les portages de murs à bout de bras, là, c'est génial. Alors, il me reste pas beaucoup de choses à leur faire faire, ça. Voilà.
Parfait. Après... Bah c'est tout à ce niveau là. Maintenant faut que j'aille faire les pièges foudres et ça, ça va prendre 300 ans. Il en faut 4 hein. Ah il en faut qu'un. Pardon. Pourquoi il me disait qu'il en fallait 4? Pas grave, il faut que j'attende pour le reste. Ok, on va aller parler à Georges. Enfin Georges, Jérémy. Le nom ne revenait pas. Jérémy. Je suis sûr qu'il allait dans les hauteurs juste pour m'emmerder. Pardon, bouge pas. Voilà, je l'ai eu. Quand je vivais parmi les monstres, j'ai appris qu'un glorieux trésor était caché dans un lieu appelé la forteresse glaciale. Super, je suis toujours partant pour une chasse au trésor, Eldrin, et j'en ai marre d'être tout le temps enfermé dans ce château, pas toi? D'après ce que j'ai appris, c'est un artefact au pouvoir immense, peut-être le matériau idéal à partir duquel concevoir une arme magique, non? Si tu es d'accord, j'aimerais cette fois me joindre à l'expédition, Eldrin. Il y a quelque chose que j'aimerais voir de mes propres yeux. Eh bien, d'accord, si tu insistes, je resterai au château pour superviser la construction. Bonne chance. Pour atteindre la forteresse glaciale, partez vers l'est depuis les ruines de Landlune jusqu'à la mer, puis suivez la côte en direction du sud. On raconte que de violentes tempêtes de neige foragent sur la route qui mène à la tour, alors je vous suggère de procéder avec prudence. Ok. Oh, et n'oubliez pas de remplir un coffre collectif avec tous les matériaux nécessaires pour concrétiser le plan de votre, en votre absence. Oui, bah c'est déjà fait. Comme si on avait besoin de toi. Si, j'ai oublié de mettre les... J'ai récupéré du fer, c'est magnifique. Bon, c'est bon, ils... Alors, ils ont pas... Si, ils ont reconstruit. Ah, si, ils ont tout reconstruit, nickel. Parfait. Cool. Cool, cool, cool. Bon, j'ai... Ok, c'est bien, ça m'a fait mes deux trucs là. Parfait. On récupère. Hop. Est-ce que ça va aller faire tout de suite? Non, faut attendre. Bon, c'est assez rapide. Hop, en attendant, je récupère la gratitude. Même si elle ne me sert plus à rien, c'est pas grave. J'ai toujours de la gratitude. Pardon. Allez. Faut que je pose ça. S'il me laisse le ranger, bien sûr. Vous êtes un peu beaucoup, là. Laissez-moi ranger des trucs. Oui, je sais que tu es content, c'est bien. Voilà, j'ai tout rangé. Allez, c'est parti! Non, je peux pas TP ici. Ah, zut. Bon, de notre côté, ils sont en train de construire, donc ils vont reconstruire. On va leur péter la gueule. Défonçons le gros, défonçons le gros. Allez, sur le bouton, salaud! Ils ont rien pris, hein! Ok. Malroth, il serait temps que tu déclenches ton super. Non, meurs, le gros. Voilà. C'est bon. Aïe, c'est moi qui ai pris. Ok, level up. Va-t-on apprendre un nouveau truc? Youp. Bougez pas, j'ai une idée. Armure magique, équipement. Alors, armure d'un verre verdoyant dans un métal magique. Défense de 48 réduit les dégâts de feu et de glace. Je pense que c'est une armure que je vais faire assez vite. Bon ça va, ils ont pas réussi à avancer jusqu'ici. C'est plutôt cool. Je vais juste aller regarder qu'est-ce qu'il me faut pour faire cette armure. Là c'est le petit truc sympa, c'est le petit bonus. Il fait sombre d'un coup. Alors, elle est où? Parce que pour le moment je suis équipé de quoi moi? Il y a l'armure de fer. Ah non mais c'est pas là. Je suis en armure de plate je crois. Vérifions. Ouais, donc 42 de protection, donc l'autre était à 48, donc c'est super intéressant. Est-ce que je peux déjà au moins la lancer?
Yes! Ah, mais je vire mon armure de plate. Je vais me retrouver à poil. Est-ce qu'elle est longue à faire? C'est surtout ça. Allez, c'est parti. Combien de temps tu vas mettre? Tu vas mettre 300 ans. Donc, je vais peut-être pas y aller à poil. Je vais regarder si... Est-ce que j'ai une autre armure sur moi? Même si elle est plus faible, c'est pas très très grave. Ouais, j'ai l'armure de fer en attendant. Hop, on va l'équiper. Voilà. Donc, le temps qu'elle se fasse. Allez, c'est parti. Direction... bah là. Et après, allez ici. J'ai pas compris, j'avais cru qu'il disait que c'était à l'est et après il fallait partir au sud. Bon, c'est bizarre. Ouais, là c'est l'autre, elle qui veut les épées. J'irai les faire peut-être plus tard, ces quêtes. C'est pas utile. Allez, on va aller découvrir le point faible, je suppose. Oula. Il y a eu un massacre. Ah oui, c'est vrai. C'est là où on a perdu les premiers soldats que j'ai dû enterrer. Ils dorment. Ah, un marteleur. Je pense que je dois me transformer, je suppose. Voilà. Sans fort, tout est perdu. Oh, bonjour. J'ai juste quitté la forteresse glaciale quelques temps pour prendre un peu d'air. Si tu cherches ta forteresse glaciale, il te suffit de descendre cette colline et de traverser le pont. Puis de suivre le chemin vers la droite. Attention, la tempête cependant, elle est si puissante qu'elle te renversera tout en bas et te videra de toute ton énergie. Même nous, les marteleurs, ne pouvons survivre à ce climat extrême. Seuls les monstres à la fourrure épaisse peuvent endurer un tel temps. Ok, donc il faudrait que je change de... Je suppose que je vais pas pouvoir y aller, alors est-ce que je vais mourir? C'est par là-bas? Ah, il faut traverser le pont, d'accord. Oups. Voilà. J'ai la fourrure. Est-ce que ça marche? On est transformé comme ça. Parce que j'ai fait une erreur, je voulais courir, mais... Oups. Est-ce qu'il considère que j'ai la bonne fourrure? Énorme. On passe tranquille. Bonjour. Ok. Un peu d'âge plus épais. Bien le bonjour, voyageur. J'essaie de m'habituer à ce froid glacial. Nous, les marteleurs, ne sommes pas dotés de la fourrure épaisse. Nous ne sommes pas faits pour ce type de climat. Si je reste ici longtemps, je finirai bien par me couvrir de poils, non? Et que comme ça, je pourrai me rendre à la forteresse glaciale sans même sentir le froid. Mais donc là, je suis avec les mecs à fourrure. Est-ce que ça passe? Ah, il y a une quête annexe? Ou c'est la vieille de tout à l'heure? Enfin, d'une autre quête. J'ai l'impression que j'ai pas pris... Ça a pas l'air de gêner, parce que je suis en fourrure. C'est cool, ça. Ok, donc il suffit juste de se transformer dans le bon monstre. Ah ben, il y a un TP ici. On va vite le prendre, on va voir. Ok, vers la cabane délabrée. Et puis là, il y a une armure, enfin un robot squelette, là. Situation forme de vie, veuillez confirmer l'information suivante. Cette île se nomme au charbon. Oui, non. Non. Oui, c'est lune. Saisie erronée. Nouvelle procédure de recherche de danseuse. Oula, il a pété un câble, lui. Évaluation des options. Déménagement vers une autre île. Déconseillé. Trouver danseuse à Ruisseline. Trouver danseuse à Ruisseline. Vous, forme de vie. Danseuse aussi, forme de vie. Nouveau pouvoir changer en danseuse. Analyse en cours. Il a pété un câble.
On va lui reparler. Déménagement vers autre île déconseillé. Trouver danseuse à Russeline. Trouver danseuse à Russeline. Vous, forme de vie, blablabla, il nous fait la même. Ok. Faut peut-être lui donner un truc spécial. Ou peut-être lui donner un coup sur la tête pour le réparer. Donc ça a l'air de marcher en étant comme ça. Ça c'est cool. Oups. Tu veux monter? Voilà. Alors, est-ce que c'est considéré que je suis en train de me geler là? Je vois du gel un peu partout, mais... ça a l'air de passer. Ah! Je vois un gros bourrin. On va devoir l'affronter, je suppose. Oula, ils sont un peu beaucoup, là. Ok. Bonjour. Moi pas connaître vous, vos nouveaux gardes? Rumeur dire qu'humain fourbe se changer en monstre et se promener incognito. Si vous voir ami étrange, venir dire à moi. Enfin, si vous survivez pour raconter ça, vous si chétif que même humain chétif battre vous. Oula, je préfère être chétif que moche comme un pou. Allez mon gros, crache le morceau. C'est quoi la faiblesse de l'unité des violents? Ma droite. La faiblesse, pas secret. La faiblesse, froid. Pour ça que nous garder trésor gelé pour eux ici. Pour qu'humain chétif pas le trouver. Mais pourquoi vous vouloir savoir faiblesse? Moi, trouvez-vous suspect. Moi, voir qui vous êtes vraiment. Et toi, toi, porter truc brillant. Crie oui, chef, tout de suite, chef. Ah, je pense qu'on va avoir baston. Ah, c'est le miroir. Magicien, est-ce que c'est... Eh ben oui. Il a chopé d'où, lui? Oups. Ah, salut, main fourbe. Pardon, ça m'a tué là-bas. Vous essayez de tromper moi. Vous, malhonnête. Nous voir si vous, toujours malhonnête quand moi, écrabouillez-vous. Allez. Ah, puis là, Malrod, t'as plus ton pouvoir. C'est bien, génial. Ok, moins 1. Ceux-là, ils sont faciles à tuer. Moins 2. Oups, aïe. Oups, 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 c'est bon. Nous tuons lui, comme ça ce sera fait. Il ne restera plus que le gros. Allez, tu vas mourir. Voilà. Parfait. Yeah. C'était pas si difficile. Pourquoi perdre du temps à se faufiler discrètement au final? On a quand même appris quelque chose apparemment. Ils ont le miroir de rat. Comment ils ont pu mettre leurs sales pattes dessus? Tu l'avais confié à Athéna, pas vrai, Elrin? Alors mes soupçons sont avérés, même si ça me fait de la peine de l'avouer. L'espion qui se cache au château de Russeline, l'humain qui a prêté allégeance au monstre, c'est sûrement Athéna. Quoi? Comment les monstres auraient-ils pu s'approprier le miroir de rat autrement? Elle a pu dû leur dire où elle l'avait caché, ou elle leur a peut-être même donné en main propre. Cela fait déjà un moment que je soupçonne Athéna. Je me suis porté volontaire pour cette mission afin d'exposer sa félonie. Bien, récupérons ce que protéger le troll et retournons au château le plus vite. Pour le moment, ne parle pas de tout ça à Athéna, et ne dis rien non plus aux habitants. Laisse-moi un peu de temps pour mettre au point un plan. Mouais. Et là, il manquerait plus qu'il y ait deux boucliers de rats, là. Ok, donc on a récupéré au pied des poignées d'éclats argentés. Hein? C'est quoi ces trucs? L'unité des violents a peur de ces tout petits morceaux, enfin ces tout petits cristaux? Un froid intense émane d'eux, et le troll a dit que l'unité des violents était vulnérable au froid. Tu pourras peut-être l'utiliser pour créer une nouvelle arme magique, non? Je te fais entièrement confiance pour concevoir quelque chose de spectaculaire. Bien, retournons au chaton et terminons le plan. Allez, nouvelle idée. Ta-da-da-da-da-da.
Alors, piège de glace. Ouais, normal. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer par ici? Avant de se TP, on ne sait jamais. Oula, aïe. C'est pas grave, j'ai rien senti. Il n'y a pas de coffre. Il a l'air de pas avoir grand chose, on sait jamais. Je vais retourner en haut, mais de l'autre côté, je vais essayer de pas tomber cette fois-ci. J'ai bien dit essayer. Hein. Ok. Non. Ah, j'ai bien fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, bon, moi. Enfin, de l'or, je m'en fous un peu. À ce niveau-là de la partie, j'en ai plus vraiment besoin. Ok. Donc, c'était le petit coffre à or. En bas, il y a l'air de rien avoir. Allez, TP, direction Ruisselune. On va valider cette petite quête. Je vais laisser terminer le dojo et je pense que ce sera la fin de l'épisode juste après. Enfin, je vais aller fabriquer quand même mes petits pièges. Voilà. Sensationnel! Ah, Eldrin, comment s'est passée la mission? Avez-vous découvert une faiblesse que nous pourrions exploiter pour vaincre l'unité des violents? Les figer sur place avec des pièges glace, dites-vous? J'imagine qu'il faut les placer sur les points d'interrogation indiqués sur le plan, mais ne faut-il pas également une sorte de mécanisme pour les déclencher? Les plaques d'activation que vous avez construites précédemment n'activent automatiquement que les dispositifs placés juste à côté. Ce qu'il nous faut, c'est un moyen d'activer les pièges glace à distance. Ah, j'entends presque les rouages tourner dans votre esprit. Je sens qu'une nouvelle invention verra bientôt le jour. Bon, quand vous aurez tout ce qu'il faut pour terminer le plan, faites-le immédiatement. L'unité des violents pourrait attaquer à tout moment. Est-ce que j'ai une idée? Voilà. Alors, j'ai trouvé... C'est ça. Donc, commutateur, mécanisme qui se pose au sol, déclenche les pièges et éléments d'armement éloignés lorsqu'on marche dessus... Peut-être teint. D'accord. Donc, marcher sur un commutateur pour déclencher des pièges à distance. Il fonctionne à merveille avec les pièges glace. Bon, de toute façon, ça va les placer automatiquement. Merci, rends-moi tous les trucs. Voilà, donne-moi la gratitude. Je ne sais pas si elle est partagée vers le chapitre de l'éveil, là. Enfin, de l'île de l'éveil, il faudra regarder. Alors, il faut que je fasse 4 pièges comme ça. Je peux pas en faire 4, il manque quoi? Il manque des cristaux magiques. Et des plaques d'activation. Ah, il faut que j'attende. Je vais aller chercher des cristaux. Ça va être rapide. On va aller chercher quelques cristaux. Ah. Ouais, enfin non. Désolé, tu vas rester là longtemps. Alors, des cristaux. Des petits cristaux, s'il vous plaît. Et normalement, il y en a plein là. Ou j'ai déjà tout pillé? Je crois que j'ai déjà tout pillé, c'est ça? J'ai déjà fait l'énigme, c'était une énigme? Non, c'était pas une énigme ça. Mais j'ai déjà pris le coffre. D'accord, j'ai déjà tout pillé ici, super. Allez, l'endurance, allez, 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 allez. Remonte plus vite, que je puisse courir. C'est vrai que je pourrais peut-être installer la nouvelle armure. Voilà, je crains plus le froid maintenant. Et le feu. J'aurais pillé tous les cristaux et j'en ai pas assez. Si, c'est bon, j'en ai vu là. Il y en a plein à récupérer ici. La petite razzia, rapidos. Oui, énervez-vous, c'est pas grave, on s'en fout, on va se TP. Mais regarde, hop, hop. Vous m'avez vu, ben vous me voyez plus.
Oh là là. Allez, le temps qu'ils fabriquent, qu'ils finissent de fabriquer, nous, on va récupérer ça. J'en avais fait suffisamment sur moi. Qu'est-ce qui manque ? L'acte d'activation. C'est les plaques d'activation qui manquent, Kaboulé. Mais j'ai un doute là. Déjà ça, tu peux ranger. Les plaques d'activation, c'est où que ça se fait ? Ça y est. Ah, et ça, faut que j'en fasse 6, voilà. Non, je suis allé chercher les cristaux pour rien, c'était les plaques d'activation. Je pensais que c'était les autres. Alors, il y a un truc qui va me gêner. Ça range, range, range. Voilà. On va arriver. Ça, il me faut. Voilà. Je vérifie s'il manque pas quelque chose. Ça a l'air d'être ok. Non, c'est bon. Allez, on va aller faire nos pièges. Voilà. Ok. Je vais poser tout le reste dans le coffre commun. Comme ça, ils pourront quasiment terminer. Parce que ça, j'en ai pas plus besoin que ça. Voilà. Et ça, là-dedans. Voilà, ils viennent détravailler les gens un peu. Je sais pas combien ils en sont, regardez. Je vois qu'ils sont presque finis là, à mon avis. Il va pas manquer grand chose. Combien ? Ouais, 99%, donc il manque les 4 pièges. Hop, oulala, mon dieu. Tant de gratitude. Tant de gratitude, oh oui. Encore, bon, il passe ça. Il y a un morceau ici, là. Il va falloir que je les ramène, c'est ça. Il serait bien que vous répariez un petit peu les trucs cassés, hein. Oh là là, c'est une bande de flemmards. Voilà, allez. Est-ce que tu as fini mes pièges? Putain, il en a fait qu'un, sérieux. Bon, déjà, on va le récupérer. On va le foutre dans le coffre. Nous devons améliorer nos défenses, oui. Mais es-tu vraiment la traîtresse? J'ai besoin d'un piège de glace. Bah oui, bah ça arrive. Ça arrive. Oh là là, toute la gratitude là-haut. En attendant que ça me fasse ses pièges, que ça termine. Parce que je suppose que derrière, ça va être le combat final. Contre cette troisième unité. Et est-ce qu'on aura fini du côté de Ruisselune? Ça, j'ai un doute. Aïe. Tu vois le piège? Ok, aïe, ça a activé tous ceux qui étaient à côté aussi. Ah, le piège s'active pas souvent. Hein. Sérieux? J'ai dû reconstruire des barrières parce qu'en fait, je les avais pas ramassées, pas reposées. C'est ça? Hein? C'est horrible. C'est pas grave. Hop, comme ça on en aura d'avance. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de plus. Ok. Allez, les pièges. C'est long! Râle plus vite! Ça, il sera déjà placé. Non, pas là. Voilà. Allez. Bientôt N+. On est obligé d'attendre parce que c'est super long. On est obligé d'attendre et je fais tourne en rond. Allez. Hop, allez, plus qu'un. Ouais, pour l'utilisant, maintenant, réservons le même sort à l'unité des violents. Bah, vie, hein. Ah, si, je vais faire ça en attendant.
Hey, vous voulez pas me donner des popos là? Parce que je pense qu'on va s'en faire quelques-unes de plus pour être tranquille. Niveau bouffe, je suis bas. Mais bon, j'ai ça, donc ça devrait aller. Voilà. On va vite se faire quelques potions de plus pour le combat du prochain épisode. On va toutes les faire, hein, c'est tout. Voilà, comme ça, j'aurai largement de quoi me soigner. Alors, normalement, j'avais mis des bombes la dernière fois, là. Est-ce que je peux en faire quelques-unes? Ouais, allez, on en fait 30. Je sais pas s'ils les ont utilisées la dernière fois. Là-bas, c'est terminé, c'est parfait. Enfin, nous allons pouvoir terminer cette construction. Il va être un enfer pour l'armée des violents. Et on met les bombes là-dedans. Est-ce qu'ils avaient utilisé la dernière fois? Parce que je crois qu'ils avaient mis là, donc elles sont bien parties. Ah, j'ai vu qu'il y avait des... Pardon, qu'il y avait des patates. On va les prendre. Parce que moi, j'ai besoin de plus de nourriture qu'eux. Bon, normalement, ça doit être bon. Il devrait finir. Allez. Allez, allez, allez. Après... Ah, ils peuvent activer. Ah, d'accord, il y en a un là, j'avais pas vu. Et le dernier va être ici. Voilà, parfait. Pardon. Notre piège est en place. Ils vont tous mourir. Allez, oui, c'est bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, je sais. Merci beaucoup. Oui, bon, bravo, merci. Merci encore, encore, encore. Voilà. Excellent travail, Edrine. Ces pièges glaces achèvent le plan avec brio. J'espère qu'ils feront de même avec nos adversaires. Cependant, je crains que l'unité des violents ne soit pas notre ultime adversaire. Je sens une autre menace. Nous ne remporterons peut-être jamais cette guerre, mais nous devons nous battre ensemble. Hé, Edrine, tu penses vraiment qu'elle est de mèche avec les... Vous allez bien, tous les deux? Je n'apprécie guère qu'on m'observe de manière si suspicieuse. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y. Et ça, un instant, je pense que je perçois quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'était que ça? Ok, la baston, eh ben la baston pour l'élimination des unités des violents. Je suppose que ce sera ça, hein, comme pour les autres. Ben, ce sera pour le prochain épisode, voilà. Si vous avez apprécié celui-là, ben, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, la petite cloche, hein, toujours ça, c'est super important. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao.